Donc, générateur d'illustration. Les générateurs d'illustration, j'en ai 5 ici, mais il en existe en réalité plein sur le web, gratuit ou pas. Mais ce qui m'intéresse ici, ce que je veux vous montrer, c'est Blush. Blush. Ici, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est juste des astuces techniques. La plante sur le côté peut être changée, visiblement, voilà. On va prendre la jaune ici, super. Au niveau de l'objet sur le côté, on peut choisir l'objet. Je vais prendre la petite commode, voilà. Il faut que je sélectionne le personnage. Et là, je vais pouvoir choisir la position de ses bras éventuellement. Voilà. C'est pas génial, on a l'impression qu'il est en train de s'évanouir. Bon, il va tenir un plateau comme ça, voilà. Ok, la coiffure. La coiffure, ok. On va pas lui mettre du facial air. Des lunettes, qu'est-ce qu'on met? Un masque, ah, ça c'est d'actualité tout ça. Des lunettes bleues, voilà. Alors, télécharger ici. Voilà, je vais télécharger en SVG, c'est des vecteurs. Mais il faut être passé pro, en fait, pour le faire. Donc, il aurait fallu que je m'inscrive sur le site. Et donc là, je pourrais l'ouvrir dans Illustrator et changer encore plus l'illustration, bien sûr. La productivité, on peut vraiment faire des choses rapidement pour illustrer un site web ou un poster ou... ce qu'on appelle une infographie, c'est-à-dire une explication didactique. Il y a tellement de combinaisons que voilà, le personnage qu'on trouve est assez unique finalement, même. Ouais. En plus, en récupérant en SVG. Cette possibilité d'aller mettre des dégradés, des motifs éventuellement dans les vecteurs, c'est pas mal.